Il est posé. Il est tranquille. Deuxième essai. Trop loin. C'est moi, c'est moi. T'avais un autre, mademoiselle? Non, il va pas flotter, mais ils vont pouvoir aller chercher sans problème. Alors, un qui trempe un petit peu parce que tu as eu du mal à le manger. Voilà, un qui glisse bien. Voilà, comme tu meurs de faim, ça se voit. C'est du gardon, hein. Normalement, ce qu'ils préfèrent, c'est de la truite. Mais là, c'est du gardon, donc on mange, mais pas très très envie non plus. On va se forcer. Donc, c'est des animaux, c'est rare. J'ai cru que l'autre allait le choper au vol. Allez, hop, il peut pas voler, regarde. C'est pas mal. C'est bon. Il y a trop de riz. Plus la coquille va être lisse, que pas forcément en grand nombre chez le carnivore, mais qui permet juste de tuer, de déchirer la viande et d'avaler. Tout simplement. Vous pouvez sentir que même l'ossature du guépard, elle est très fragile, donc à une seule coup de patte, et bien la boîte crânienne du guépard, coup de patte de. Regardez bien cette griffe, elle n'est pas pointue au bout. C'est un cerf. Alors ça c'est pas un cerf. Zoman et Cédric cherchez pas compliqué. Ça c'est quoi? C'est un bois. Ça c'est un bois. Je cherche une autre différence. La forme. Le sang que le public nous dit, c'est vraiment très très impressionnant. Voilà. Ça va? Ici, par cette petite figurine d'un mec qui représente un personnage d'un mec à poche. De haut, vous aurez un point de vue panoramique de 360 degrés sur l'île de Nantes et sur la Loire. Et... On va faire la marche de la fourmi. C'est fin, c'est bon. Je voudrais savoir ce que vous avez. Voilà. Alors, on accède les enfants par jour, ils sont trois, il va falloir faire un pour tous les faces. Voilà. Alors, je fais un peu de temps en avant, je sais que ça va permettre de charger la vie.